Harry Potter se sentait nostalgique. Une année de plus à Poudlard était sur le point de se terminer et il ne pouvait s'empêcher de penser à tous les moments magiques qu'il avait vécus depuis son arrivée dans cette école de sorcellerie. Le choix. Eau magique l'avait envoyé à Gryffondor et il s'était rapidement fait des amis, dont l'un était devenu plus qu'un simple ami, il était tombé amoureux d'Hermione Granger. Alors qu'il se promenait dans les couloirs avant le dernier jour de classe. Hermione lui tendit un petit cadeau emballé avec soin. Harry l'ouvrit pour y découvrir un retourneur de temps. Les yeux écarquillés, il regarda Hermione, bouche bée. Maintenant, tu peux retourner à certains moments de ta vie. Le avec un sourire malicieux. Sans réfléchir, Harry saisit le retourneur de temps, l'activa et se retrouva propulsé en arrière dans le temps. Il se retrouva assis dans le compartiment du Poudlard Express, attendant le début de sa première année. À Poudlard, il avait une chance de revivre tout à nouveau, de ne rien changer, mais simplement de profiter davantage de chaque moment. Les années passèrent rapidement alors qu'Harry revivait jour après jour sa vie à Poudlard. Il profita chaque fois davantage des matchs de Quidditch, des cours de potions avec Rogue et du temps passé avec ses amis à la salle commune de Gryffondor. Mais il y avait une chose qu'il attendait avec impatience, le bal de fin d'année. Lorsque le moment arriva enfin, Harry se fixa un seul objectif, demander à Hermione de l'accompagner au bal. Les papillons battaient des ailes dans son estomac alors qu'il se préparait, espérant de tout cœur qu'elle accepterait. Le soir du bal, Harry s'approcha lentement d'Hermione, une rose à la main. « Hermione, est-ce que tu voudrais m'accompagner au bal avec moi » demanda-t-il, les joues rouges. Hermione sembla surprise, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. « Bien sûr !» Mant d'euphorie envahit Harry alors qu'il dansait avec Hermione. Il savait que c'était un moment qu'il garderait à jamais en mémoire, peu importe combien de fois il revivrait cette journée. Le retourneur de temps devenait de plus en plus épuisé. À mesure que Harry utilisait ses pouvoirs, il savait que son temps se réduisait et que bientôt, il devrait retourner dans le présent. Finalement, après de nombreuses aventures et de souvenirs précieux, Harry retourna à son époque. Il était Raycon. Naissant envers Hermione pour ce cadeau extraordinaire qui lui avait permis de revivre sa vie à Poudlard. La magie de ses souvenirs, mêlée à la réalité présente, fit de sa dernière année à Poudlard un moment encore plus spécial et inoubliable.